Salut tout le monde, c'est Pixel. J'espère en tout cas que vous allez bien, moi je vais super bien. On se retrouve pour la suite de nos aventures irrémédiables et insondables sur House Flipper 2. Nous allons continuer à faire le bien et à faire la propreté. Et juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, bref, à cliquer sur la cloche pour ne rien rater les futures vidéos si vous ne l'avez toujours pas fait. Et si vous l'avez déjà fait, merci beaucoup. Donc, nous sommes de retour, voilà, nous sommes beaux, nous sommes magnifiques. On est en train de tout allumer parce que nous, l'écologie, on n'en a rien à foutre. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a mis des zèbres vivants sur les murs et même des perroquets, des perruches, les enfants. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un truc, des perruches, parce que quand même, je connais les oiseaux. On va mettre un truc, on va mettre un truc de dingue, on va mettre quelque chose de bien. Et surtout, j'ai changé un petit peu mes images. J'ai fait un petit peu de travail, oh là là, oh, c'est énorme. Pour ceux qui connaissent. Bref. Tac, on va prendre ça, regardez, hop, c'est moi avec des osio, allez zou. Regarde, ça va bien avec le thème, formidable. Alors, vous m'avez dit, c'est dégueulasse, il faudrait que tu revoies un petit peu ton papier peint, il faudrait que tu fasses une salle aussi, parce que les gens dans la ville sont crado, et donc il faudrait que tu fasses une salle de consultation. Alors oui, c'est prévu. C'est prévu. Il faut pas que j'aspire ma clé parce que ça va être le bordel. C'est prévu, mais il faut que je trouve. Et là, vous allez me dire, mais trouver quoi? Il faut que je trouve un nom. Un nom à mon, déjà à mon entreprise et aussi qui pourrait servir pour la consultation. Et donc, j'étais en train de me demander un truc avec Kim, quoi, tu vois, parce qu'on est toujours dans le Kim, Kim Space, Kim Océan. D'ailleurs, j'ai fait le logo de Kim Océan que vous avez pu voir lors du dernier épisode de, quand vous expliquez, de Subnautica, voilà. D'ailleurs, qui a eu moins de vues, déjà, à sa sortie. Bon, mais je sais que ça va changer, mais ça m'a fait un petit quelque chose. Vous m'avez habitué à autre chose, les enfants. Voilà, donc... un peu déçu. Mais c'est pas grave. Donc là, on nettoie, on essaye d'avoir un truc à peu près propre, parce que bah, on va avoir des invités de marque, ça veut dire, ils s'appellent tous Marc. Non, normalement, on a nos parents qui vont arriver. Alors, je déconne, hein, c'est dans le lore, hein, mais il y aura mes parents qui vont arriver. Ouah ! La tonnelle rose ! Non ! C'est pourquoi ? On peut l'acheter. J'aurais adoré l'acheter. Mais bon, c'est pas grave. J'adore les effets de lumière, regardez. C'est plutôt bien fait. De toute façon, il va bientôt faire jour, j'espère. Nous, on n'a pas dormi parce qu'on est, des dingues. Oh là là. Ah, je suis beau. Et il va falloir aussi que je gère ça. Parce que je sais qu'il y en a qui vont dire ah, c'est moche et tout. Non, on va... Alors ça, je vais le vendre. Et je vais le vendre parce que forcément, ça s'est mal goupillé parce que c'est en train de se casser la gueule, le papier peint. Mais j'aime bien quand même. Et je peux pas le mettre, je peux pas changer de papier peint pour le moment. Papier peint, je sais pas où c'est. On peut faire la peinture. Mais papier peint, j'ai pas en fait. On va regarder, décoration, est-ce que j'ai du papier peint? Décoration, image, décoration autoportante, décoration murale. Non, c'est des décorations. C'est pas installation, finition de surface, fenêtre. J'essaye de regarder. Hein. De toute façon, ils vont m'expliquer. Hein. On n'a pas encore eu le tutoriel pour le papier peint. Donc là, on l'a pas débloqué. Mais on peut faire l'extérieur et tout. C'est plutôt pas mal. Ok. Là-haut. Attendez, parce qu'il... Voilà, là-haut, on avait commencé un petit peu à nettoyer. On va nettoyer, hein, un petit peu quand même. Faut pas déconner. Donc, hop. Surtout que je vais essayer de tout changer. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que j'ai envie de faire un truc de bien. Vous voyez, j'ai envie de faire un truc de bien. J'ai pas envie que ça soit un peu n'importe quoi. Par contre, il y aura du papier peint avec des animaux. Hein, je vous garantis que ça va roxer. Hein. Là, on l'a fait, c'est vrai. Là, il faut aspirer ce bout de verre parce qu'on va se faire mal hein, ça, directement.
faut pas déconner. On avait tout nettoyé et là on a des choses à ouvrir, mais comment vous dire que je sais même pas à quoi ça va servir. Je pense que ça sera un petit bureau. Là il y aura je suis en train de me demander hein. On a quoi là? On a notre chambre. Ou alors ça je le transforme en bureau. Ça c'est ça sera ma chambre et ça ça sera un dressing pour mettre mes 400 milliards de slips. Là, ce sera une chambre. Ou alors, peut-être une nouvelle salle de bain, et là, ce sera une chambre. Toute petite. Pour mon esclave chinois qui viendra. Alors, je suis désolé, je vais faire du mal, le mal au cœur à beaucoup de monde, mais il y a des choses qui vont, voilà, qui vont virer, parce que ça n'a rien à foutre avec ce que je vais faire. Là, déjà, on va tout vendre. Ça, je vends. Je vends les tongs, parce que j'aime pas ça. La guitare, ça se vend. Ça se vend. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux quand tu te lèves. Voilà. Ça se barre. C'est de la merde. Ça aussi. Voilà. On vend tout. On y vend tout. Voilà. ça, c'est pourri. Ça aussi. Il y en a qui sont là en mode, mais non, mais si, il faut vendre. Vous allez comprendre pourquoi. Ça c'est bon, ça on vend. C'est moi où il y avait un dessin. C'est moi où il y a un dessin de Among Us caché en dessous. Lol. Hop. Voilà, j'ai dit lol pour les jeunes. Hein. Comme ça, vous avez votre quota. Ça c'est fait. Hop. On est bon, c'est fait, ça vire, on va tout vendre, tac, voilà. Et ça me fait de l'argent, c'est ça qui est pas mal. Voilà, il y a un lit. Il y a un lit que je vais bouger d'ailleurs. Ça c'est bon, on le ramasse. Ah oui, c'est vrai, vu que c'est un gros objet. Allez, on va le mettre là-bas en attendant, hop. Je sais que je mettrai un lit double, hein, parce que forcément. Mais en attendant, c'est pas mal. C'est bien glauque. Voilà. J'aime bien. Voilà, parfait. C'est nickel. Ça a été fait. On va faire le bureau. Ça pourrait être pas mal. Donc attendez, ça je ferme. Là, on est bien. Donc, un bureau pour accueillir les. Voilà, il va falloir que vous me trouviez. Et ça, c'est dit. Il va falloir me trouver le nom de notre entreprise. C'est très important. Meubles de cuisine, non. On a quoi? On a des lits. Appareil électroménager, ouais, ça pourrait être pas mal. Éclairage. Siège. Rangement. On n'a pas des meubles. Enfin, des meubles, des... Enfin, vous m'avez compris, quoi. Des tables. On n'a pas des bureaux. On en a un, là. Il est à combien? 900. Mais vous avez claqué. Ouais, le bureau. 3000. Sérieux? 400. On peut pas aller trier du plus moins cher. Hein, voilà. On dirait mon bureau. Mais mon bureau, il fait 2m50. Donc, il est immense. 900. Ouais, 1300. Je sais que on a du pognon. Oh, celui-là est beau. Il est beau, mais il va pas dans ce que je veux faire. Celui-là, ils sont trop chers. Hein. C'est un enfer. Y a pas moins cher, là? S'il vous plaît. Peau pourrie. Ça donne quoi? Ah, ben voilà. On peut se faire un petit bureau comme ça. Le seul problème, c'est que j'ai... Ça fait... Ouais, quoi que... On a notre bureau qui est là. Voilà, parfait. Ça, on le vire. On s'en fout. On a ceci ici. Non. Ah! Ah merde, parce que je pensais que ça allait pas faire ça, je pensais que ça allait enlever juste la... Bon bah écoutez, on va remettre une fenêtre. C'est ça? Attendez. Non, c'est pas ça. C'est trop gros. Alors c'est une petite comme ça? Non. On a du 8 sur... Ah, ça doit être celle-là. Attends, 6 sur 4. Ça, c'est peut-être celle-là.
Non, trop petit. C'est celle-là. Et merde, j'ai touché un truc qu'il fallait pas. Pourquoi ça veut pas? C'est quoi ce... Regardez, hein, je peux absolument pas le mettre. Bon, ben, il y aura un... Il y aura un trou. Ah non, ben voilà. Regardez. Oh, je l'ai bien réussi, la fenêtre. Oh là là, oh, c'est trop beau. C'est nickel. On pourra mettre des babioles dessus. C'est que ça va pas. Celle-là, je la vire. Donc, on a pris ça. Donc, ça veut dire que c'est des trucs un peu plus foncés. Genre ça. Oh oui! Ah oui! Ah oui, oui, oui. Ah, c'est nickel. Je peux pas changer les murs et tout parce que j'ai pas ce qu'il faut. Même le sol, j'ai pas ce qu'il faut. Donc, on a fait déjà... j'ai envie de faire un... Ah si, on peut changer ça. C'est vrai, on peut mettre du papier peint. C'est quoi ça? On est quoi? Sur définition de surface? Bah oui, mais on n'a pas appris à le poser. Donc, je vais pas le faire. On va pas faire de bêtises. On va s'occuper déjà de ça et on changera tout s'il faut. Mais dans l'ensemble, ça va. C'est juste les murs, en fait. Ah oui, et ça. Voilà. On y voit que dalle. C'est pas grave. Et oui, je suis content d'ailleurs en parlant de ça. Vous allez avoir un épisode de fou. Un épisode de fou qui arrive, dans pas longtemps. Alors, plafonnier, il arrive demain. C'est quoi ça? Ça fait un peu bureau ça. Hein, ça c'est moche. Oh, ça c'est beau. Faut que je le mette bien. Ah! Voilà. Et merde. Ça veut dire qu'il faut vraiment que... attendez, ils sont où les interrupteurs? Il me faudra un interrupteur, s'il vous plaît. Installation électrique, chauffage, autre. A-t-on des interrupteurs? Je crois que les interrupteurs... Attendez. Interrupteur. Ouah, l'interrupteur à l'ancienne. Et pourquoi il... J'ai de voir l'éteindre comme ça. Oh, attendez, le détail, attendez. Oh! On voit les filaments. Ok, parfait. Par contre, ça éclaire de... C'est quoi qui fait ce tombe de merde, là? Ah, c'est ça. C'est des trucs. D'accord. Bon. Donc là, on est pas mal. Décoration, on verra à la fin. Ce qu'il va nous falloir, c'est un ordinateur. Petit ordinateur, là. Hop, ça va être pour choisir nos missions, en plus. Ça va être trop bien. Petit ordinateur ici. Voilà. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Voilà, nickel. Petit ordinateur. C'est dommage qu'on puisse pas lui trouver de couleur. Bon, on va le laisser comme ça, écoutez. Je sais même pas si on peut changer la couleur. Hein. Magasin. Ah, on pouvait trouver... Attendez, je peux le vendre? Ouais, je peux le vendre. J'aime bien en gris comme ça. Détail, non. On va le mettre du gris avec un petit peu de couleur comme ça. Et un petit peu de gris. Et là, on fait acheter. Et là, messieurs. Oh là là, il est beau. Il est magnifique. Oui, on a une mission. Mais pour le moment, je m'occupe de chez moi. Voilà, c'est dit, c'est fait, je m'occupe de chez moi. Siège. Siège de bureau. On a le siège gaming, mais on a le siège satellito. Oh là là, mais on a ça. Ça, c'est pas mal. Siège satellito, on va peut-être le mettre comme ceci, avec une assise un peu plus comme ça. Et les détails, c'est les coutures, c'est ça? Ah non, c'est l'arceau. Non, on va le laisser comme ça. Acheter. Ah voilà. Ça va bien avec le bureau. Parfait. Et on peut pas s'asseoir, ce qui est dommage.
magasin. Petit éclairage. On va se trouver une petite lampe. Une lampe de chantier, ce serait pas mal, non? Oh là 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 là. Ouais, il y a des lampes. Il y a des lampes qui valent cher, hein. Ouais, le pot pourri est pas mal. J'aime bien ça. Bah ouais. C'est pas mal. Ouais, je sais, il y en a, ils vont dire c'est moche. C'est pas grave. Rangement. Il y a pas genre... J'essaie de faire un truc un peu... Voilà. C'est énorme. Ça vaut un bras, ça. Valenti. Ok. Mais le problème, c'est que c'est pas ce que je veux. Ah, ce serait plus ça. Mais c'est les mêmes, non? Non, c'est pas les mêmes. J'essaye de faire un style un petit peu... Oh, Futuro, ils sont bien les Futuro. Mais... J'aime pas. Ça, c'est stylé. Ça, c'est stylé. C'est quoi? Ah, mais c'est tout petit. Et merde. C'est moins stylé, du coup. Oh là là, l'armoire et tout. En fait, c'est pas l'armoire que je voudrais, ça serait... ouais, bibliothèque, comme ça. Elles sont à combien? 1000! Putain, mais c'est des... C'est des psychodingues. Je sais, ça utilise tout mon argent. On peut pas les coller? C'est la merde. Pourquoi on peut pas les coller? J'aurais aimé... vous voyez un truc un peu style anglais, manoir Croft, vous voyez? Parce que ça, c'est bien beau, hein. Mais... Et merde, quoi. Ça, c'est gros. Même pas. Tu payes ça une blinde et... Ah, ça, voilà. Là, ça fait un peu plus Croft. Et le problème, c'est que sur le côté, je mets quoi? Ouais, on passe plus dans la pièce, quoi. Bon, et eh ben écoutez, le bureau est fait en attendant. Si vous avez des idées... Ah oui, c'est vrai. Je sais pas comment on le relit, parce que pour le moment, j'ai pas tous les trucs. Si vous avez des idées... Ah, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ah, j'ai oublié un truc dans mon bureau. J'ai oublié un truc. Attendez. J'ai oublié un truc. Merde. Là, on a dit... tableau. Là... Image personnalisée, bien entendu. Voilà, et ça, c'est quand j'aurai des clients. Voilà. Observez. C'est nickel. Allez-y. Hop, ça c'est fait. Bon, nous avons... On va peut-être commencer, ça fait 18 minutes que j'essaye de faire de l'amélioration. On va commencer par faire une autre mission. On a une mission ici. Nouveau mur pour une nouvelle vie. Ça serait pas mal. Et là, on a quoi? Lendemain d'after. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Essayer d'améliorer mes points en nettoyage et après continuer pour faire de la construction. Salut! Je me fais un peu d'argent en louant mon garage à des petits groupes de musique. Généralement, rien de bien méchant, mais le week-end dernier, les Mowing Stones. Référence aux Rolling Stones. Sauf que là, c'est les pierres qui maou, qui font maou. Ok. On donnait un concert dans mon garage. La classe, non? Ah non, pas du tout. J'étais à fond, j'ai toujours voulu gérer une boîte de nuit. Et je n'ai jamais été aussi proche de réaliser ce rêve, surtout d'avoir plein de. Non, mais on va se calmer, j'allais dire des teupus dans mon garage. Exactement! Oh merde! Malheureusement, je me suis rendu compte que le ménage était la partie qui me plaisait le moins. Non, sans blague! Quand je vois les photos déjà juste de là,
Je suis en train de saigner des yeux. Pour être honnête, l'after était tellement endiablé que mon salon est une zone sinistrée. On a eu un tsunami. Vous voyez, un tsunami de vodka. Ou de vomi, à vous de voir. Le chanteur a proposé de me dédommager pour la remise en état. C'est donc le moment idéal pour moderniser un peu l'intérieur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'ai hâte de voir mon salon rénové et propre. Love Russo. Oh, Love! Elle s'appelle Love. PS, ma coloc m'a dit qu'elle avait emballé quelques objets fragiles avant que quelqu'un ne les... enfin, avant que quelqu'un ne les casse. Vous pouvez les utiliser pour faire une jolie déco ou alors vous pouvez vous les mettre dans le cul. Vous savez, je suis gérant de boîte de nuit. En fait, non, c'est dans mon garage. Pardon. Ouah, ça mange des pizzas avec... Oh, le bordel, les crados. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible. Et il y en a qui étaient pieds nus. Mais qui avait... Mais... Ok. Bon. Les enfants, je vais vous apprendre en 2-3 chapitres comment être propre. Alors déjà on... Ah oui, purée, oh là 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 là, au secours. Au secours. On n'était pas censé avoir des sacs qui soient plus grands que les autres. Ce que je veux pas dire, mais j'ai rien mis dedans et... Oh là là, l'enfer. Mais qui fait ça? Déjà... Pourquoi les voisins ne se rebellent pas? Moi, j'habite en face. J'entends... Mais vous avez intérêt de courir. Hein. Vous avez intérêt de courir. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup... Et enfin, c'est vrai, en plus, ça, dans la vie de tous les jours, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à penser que chez toi, t'as pas le droit de tout faire. Et en fait, il y en a beaucoup, ils pensent que... Ah, comment vous expliquer? Déjà, ça, on va le ramasser. Que t'as le droit de faire du bruit de telle heure à telle heure. Non, 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 en fait, c'est même la journée, t'as pas le droit de faire de bruit. T'as le droit de nettoyer ton truc et tout, mais genre, si tu t'amuses à mettre de la musique toute la journée, tu peux avoir des soucis. Voilà. Et surtout, dis-toi que maintenant, de nos jours, il y a des gens qui travaillent à domicile. Et que, bah, en fait, si tu fais trop de bruit et qu'ils peuvent pas travailler, tu peux te retrouver avec des très très grosses amendes. Et tu peux te retrouver aussi avec des boîtes qui portent plainte contre toi. Alors, quand t'as des boîtes qui commencent à porter plainte contre toi, bah, t'as intérêt de courir. Voilà. Donc, je le dis, les enfants, faites attention. Voilà. Faites attention. Vous avez le droit de faire un peu de bruit de temps en temps, mais quand c'est trop répété, il faut faire attention. Alors, ça, on vend. On vend. Ça, on vend. Ça, je sais pas si on le vend. Ça, bon. C'est tout. Ok. On va nettoyer. Hop. Mais c'est vrai, hein, c'est pas des conneries. Hein, c'est pas genre pour me la péter ou machin. C'est juste que... faut faire attention. Attention. Faites pas n'importe quoi. Moi, je sais que là, tu fais ça. à moins qu'on m'ait prévenu. Mais je veux dire, faut savoir que du bruit, quand tu travailles à domicile, bah, en fait, ça te nique ta journée, ça te nique ton quota, ça te nique que tu peux pas travailler. Parce qu'il faut savoir qu'en dehors de YouTube, je travaille pour des studios de développement. Et que bon, moi ça va, j'ai pas trop à me plaindre, mais j'imagine le truc, hein. Ça m'empêcherait de travailler et je perdrais de l'argent. Voilà. Donc ça peut aller très très vite. Ça c'est bon, c'est nickel. Ou alors vous allez en boîte de nuit, quoi. Au moins vous aurez de la musique. Ou alors vous louez un chalet en pleine montagne, vous foutez le merdier. Puis... mais c'est typiquement américain de faire son concert dans le garage. C'est pas du tout... Enfin, c'est typiquement américain. Non, je pense que ça, c'est plus typique de la série américaine que de la réalité américaine, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est de la pisse? Eh, merde. Et ben voilà. C'est propre. Ah oui, il y a ça. Bam. Bam. Les chats qui miaulent. Enfin, les pires qui miaulent, pardon. Il manque quoi? Tâches. Il manque des tâches, là? Où ça? Ah oui! Ah oui, au secours, quoi. Va falloir que j'améliore ma vitesse de nettoyage, hein, parce que... Hein, alors oui, certes, je peux faire ça, mais... ou alors le spray. Le spray, le multispray serait pas mal. Ouah, les gars, mais vous avez marché dans la peinture ou quoi? Il s'est passé quoi? Au secours, il s'est passé quoi? Allez, hop. Il faudrait autre chose que ça, quoi, pour nettoyer, non? Voilà. On est à combien? On est pas mal. Mais il reste quoi ici? Ah, vendre. Voilà. J'ai tout vendu.
J'ai tout fait ? Yes, j'ai tout fait ici. Donc le garage, c'est fait. Une bonne chose de faite. Oh là là, j'ai peur de l'intérieur. J'ai peur de l'intérieur, les enfants. Ça me fait peur. Regardez, mais sérieux, mais c'était un concert ou c'était une bataille de peinture ? Excusez-moi, alors, faudrait qu'on discute là, parce que vous m'avez demandé de nettoyer, je veux bien, sauf que c'est l'indélébile et ça part pas. Vous voyez un petit peu les peintures industrielles ? Ben voilà, oh là 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 là, mon Dieu ! Oh, au secours ! Mais c'est quoi ces crados ? C'est pas possible ! Au secours, quoi ! Oh non, mais pitié ! Va falloir un petit peu regarder ce qu'on fait, mesdames et messieurs. Il reste quoi ? On a tout fait dehors. Parfait. Je vais essayer de le remettre bien. D'ailleurs, qui a un tapis comme ça dehors ? C'est la pire mauvaise idée. Voilà, c'est la pire des Qu'est-ce qu'il y a, le Brousseau ? Non, 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 cassez-vous. Cassez-vous. Je veux même pas vous voir, là. Non, mais non. Non. Ouais, mais je crois que tu vas avoir des problèmes avec tes voisins, déjà. On va commencer. Tu sais, c'est les mecs qui en ont tellement rien à foutre de leurs voisins. Cassez-vous. Qu'est-ce que ça fout là, ça ? It's not like we don't trust you or something. It's just that Kate is like a super private person and she likes to have everything in her. Vous savez que je vous écoute pas là. Je ne suis pas votre conseiller matrimonial. Donc calmez-vous déjà. Moi je dirais que vous allez avoir des problèmes avec les voisins. Oui. The bathroom in the middle needs some love too, by the way. It was hit hard by the party spirit. I think that's all. Have a wonderful day. Bye. Mais elle est au courant que c'est interdit de créer une boîte de nuit chez toi. T'es au courant, hein? Enfin, rassure-moi. La mec, elle est dans son truc. Non, vas-y, on va le faire et tout. Et puis là-haut, vous allez me faire un bar de striptease. Et puis, oh, ça va vite déraper, je vais me calmer. Ouah, la vache ! Mais ils sont lavés à la moutarde ou quoi, ici ? À la moutarde de Dijon ! Ah, c'est pas possible. Ah, il y en a un qui a vomi, vous voyez ? Il a vomi dans les chiottes, et après, il en avait plein les mains, et il s'est regardé dans la glace. Mon Dieu. Mon Dieu, que c'est dégueulasse. Il y a tout fait ici. Ah, il manque un déchet. Ah oui, j'avais pas vu. Parfait ! Ça, c'est fait. Ah ! Allez ! Oh, mon Dieu. Eh ben, putain. Ça donne envie de... Ah, moi, ça me dégoûte. Je peux vite être irascible. Très, très vite. Genre, le mec qui rigole, mais après qui rigole plus. Bah, ici, écoutez. Voilà. Mais c'est pas... Mais... Au secours. Allez, on aspire les chips. Le mec, il a vidé son paquet de chips par terre. C'est même pas... Il en a fait tomber 2-3. Hein. C'est vraiment... Le mec a ouvert son paquet. Il a regardé tout le monde. Il a fait « Je suis un connard ». Il a mis par terre. Ok. Bon, et ben voilà. Ah ouais, ça casse les verres, ça nettoie rien. Par contre, les croissants, ils y ont pas touché. Hein. Les croissants, ils sont nickels. Hein. Non, mais au secours, quoi. Au secours. C'est ça la jeunesse américaine ? Eh ben, je préfère la jeunesse Twilight. Hein. Au moins, ils s'habillent en emo, ils écoutent du James Blunt. Voilà, c'est fini, quoi. Je veux dire, ils renversent pas les chaises et tout, quoi. Mon Dieu. On peut la mettre en dessous. Ah ouais, parfait. Voilà. Ah là 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 là. Parfait. Ça vient. C'est bien. J'allais les nettoyer, heureusement. On est bien. Ah ouais ! Madame veut tout vendre. Mais ça t'appartient au moins, ça ? Ou elle est locataire ? Elle est quoi ? Euh,
Ça, c'est pas à vendre. Je regarde. Hein. C'est bon, tout a été fait. Et là... Ah, il y a un truc que j'ai oublié. Ah, oui, oui. Ah, il y a deux affiches aussi. Parfait. Ça, c'est bon. Il y a encore une affiche. Bon, mais je l'ai pas vue. Peut-être là. Non, ça... Mais pourquoi il y a un melon? Ok. Ok, ok. Alors, je savais que la propriétaire avait un melon, mais de là à ce que ce soit vraiment physique, tu vois. Allez, on nettoie. On va améliorer notre nettoyage, je pense. Parce que là... Au secours. Alors, qu'est-ce qu'on a amélioré? Nettoyage. Nettoyage ultra rapide. Nettoyage ultra rapide. On va voir ce que ça donne. Hein. Ouais. C'est déjà mieux, ouais. C'est pas mal. Ah ouais, je suis excité là. Oh oui, je suis excité. Parfait. J'ai limite pas besoin de terminer la mission. Non, 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 non. On va lui apprendre ce que c'est le respect. Et on va surtout avoir 3 étoiles. Parfait, parfait, parfait. Donc ça, c'est fait. Est-ce que là-haut... C'est autant le merdier. Non, c'est propre. C'est... Oh non, mais... Au secours. Mais c'est... Mais faut les tuer. Ah, désolé, mais quand tu t'es chez toi et que tu commences à voir des gens qui font n'importe quoi, au secours, quoi. Tu... Non. Y'a que moi que... Y'a que moi. Bon, c'est quoi, ça? Je sais pas ce que c'est. On a quoi, là? Quête. Ça, c'est fait. On a tout fait. Parfait. Et... Oh, putain. Oh, la vache. Au secours. Il y a des choses à vendre ou pas? On a tout fait, ici. Ok, tout est fait. Ici, tout est fait. Là, il n'y a rien à faire. Je regarde. Là, il n'y a rien à faire. Nickel. C'était quoi, ça? Ah, non, j'avais pas vu. Attendez, je suis où, là? Je suis où? Attendez. D'accord, on a un canapé. Ah, c'est trop bien pour lire, ça. On va voir un petit peu, hein, parce que ça sent encore les relents de vomi et tout. Merci, quoi. Il manque des choses, là. Il manque une affiche. Ah oui, j'avais pas vu. Donc, tout est fait. Vider les cartons et acheter. Déjà, on va acheter. Acheter un petit pot. Il en faut qu'un, c'est bon. Canapé. Quoique le canapé... Ah ouais, merde. Je suis bête. Elle est consciente que ça va pas coller du tout avec ce qu'elle veut faire. Hein. On est d'accord. Le pot ici. Étagère. C'est une étagère murale? Ouais, c'est une étagère murale. Elle est pas mal, là. Ouais, nickel. Love the love. On va, je sais pas où le mettre. Voilà, parfait. Je sais que je pourrais les modifier la couleur et tout, mais elle se démerde. Excusez-moi, mais elle se démerde. Bien devant les... Ah ouais, là, ça serait pas mal. Là. Elle pèterait un cap si je mets la main. Y a pas mieux en... Y a que ça. Attends, y a le meuble TV. Eh ouais. Il est où, le... Attends, là, on se met là. On est pile en face. Voilà. Donc là, c'est pile en face. C'est parfait. Une télé. Alors, ça sert à quoi, le meuble, si c'est pour mettre une télé Ouais. Bah oui, mais fallait pas prendre une télé murale. Hein. Prends pas de meuble. C'est pour éviter d'avoir un meuble, TV, la TV murale. Hein. Donc, fuck you, quoi. Allez, oh là, il est jeune pisse. Au moins, quand ils vomiront, on verra pas, tu vois. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est nickel. On va mettre ça juste... Ah ouais, attendez. Là. Voilà. Quand t'écoutes la télé, c'est trop bien. Voilà. Par contre, c'est... Franchement, les développeurs, merci beaucoup, parce que le jeu,
Comment vous expliquer le jeu, il peut être vraiment en mode ASMR, quoi. Oui, je sais, je le mets là, mais c'est pas pour... c'est pas pour... pour foutre le merdier, c'est juste que je vais enlever ça. On va voir ce que... La petite table. Voilà. Alors, déjà, on va s'occuper de ça. Là. Là, le petit hamster. Pourquoi des verres de vin ? Ok. Je sais pas. Ok. Ok, va comprendre. Ah, mais ça va me saouler. Sérieux, c'est l'un des seuls trucs que j'aime pas. C'est qu'ils te mettent tellement d'objets à mettre, mais ça veut strictement rien dire. Laisse-moi décorer comme j'ai envie. Dis-moi juste, il faudrait une table, il faudrait ci et ça. Et en fait, c'est à toi de décider ce que tu veux mettre. Bon, et ben voilà. Allez, zou, on se casse de ça. Merci, pardon. On se casse de ça. C'est pas grave, on s'est fait 6000. 6000, on a level up. Alors c'était un épisode un peu plus calme que les autres. Parce que forcément, on est resté un moment. Mais, avant. Voilà. Ici, j'ai des choses à faire. Avant de vous laisser. Il y a des choses à faire. Il va falloir mettre des décorations murales. Hop. On va mettre... Donc, nous avons... Ah, j'ai pas tout. Ah si. Hop, il est là, j'avais pas vu. Donc, nous avons Kim Space. Ils sont même trop grands, là, les hauteurs. Non, on va les mettre plus petits. On va les mettre à 50. À 50 avec Kim Space. Voilà, parfait. Nous avons Pyongyang Expédition. Ça, c'est bon. Et nous avons Kim Océan. Il y a Inpong aussi, il faut pas... Mais Inpong, j'arrive pas à la mettre pour le moment, la photo. Il faudrait que je m'en occupe. Voilà, déjà. Bon, c'est un peu décalé. Kim Space, Pyongyang... Et il faudrait Inpong. Voilà! C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Attendez, je vais voir pour Inpong. On se retrouve de suite. Et voilà! Inpong. Oh, formidable. Il manquera plus qu'en bas, ici, parce que de toute façon, je changerai le papier peint, il n'y aura pas de délimitation, ici. Ou alors, une un peu plus petite. Et, ici, il y aura l'autre carré, ce sera pour notre magnifique entreprise. Je regarde si j'ai pas d'autres conneries à mettre, mais c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Si, il y a les mardis. D'ailleurs, les mardis, je vais pas les mettre comme ça. Je vais prendre une décoration, une petite. Est-ce qu'on a des petits cadres ? Cadre photo, parfait. Les mardis de... Non, ça c'est les chevaliers du zodiaque avec un zodiaque. les mardis... Ouais, c'est que mes conneries, hein. Ouh, putain, mais ça va être tout petit, ça. Le plus petit, ça donne quoi? Ah non, mais c'est moche. Acheter. Ah mais non, mais... Mais c'est pas ça que je voulais. Mais ils sont cons ou... Bon, on va mettre ça. Polaroid, avec une image personnalisée. Non, ça ira. Hop, je peux le... Voilà, les mardis de l'épicerie. Eh ben écoutez, les amis, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On a fait qu'une seule mission aujourd'hui, mais on a un petit peu fait deux, trois petites conneries. Voilà, vous avez devant vous
le Quatuor, Kim Space, Pyongyang Expedition, In Pong, Kim Océan qui vient d'arriver, qui est formidable, hein, c'est le dernier que j'ai fait avec la fusée qui tombe et avec Kim qui applaudit. Là, nous avons Kim qui applaudit, mais dans la fusée. Bref, et celui-là est formidable. Hein. Celui-là, c'est vraiment formidable. Eh bien, écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie tous de votre participation, de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut tout le monde.